Salut tout le monde! Ça faisait longtemps. Donc voilà. Petite sortie d'après-confinement. On va au-dessus de Cossol. Au-dessus de Cossol, pas sur le plateau, à côté, pour un petit bivouac, voilà. Juste pour un petit test de matos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti le matériel, ça me manquait. J'ai pas pu faire de grosses sorties depuis, donc bon, j'en fais une petite. Voilà. Donc je vous ferai découvrir ça petit à petit. Allez, à tout à l'heure. Oh, c'est quand même pas moche. Pour les pré-Alpes d'Azur, c'est beau. Là, il doit faire 20 degrés, donc idéal quoi. On va bien dormir. On va essayer de s'approcher doucement pour pas qu'il s'envole le papillon. Regardez. Il est beau, non? Allez, petit papillon. Hop là. C'est couvert, hein? Voilà. Là, on est au col du Clapier. À 1257 mètres, ouh. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas en haute altitude, mais... Donc là, on va aller derrière, là-bas. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, ça souffle un petit peu. Bon, à défaut d'avoir vu sur la montagne aujourd'hui, on a vu sur la côte. Pas beau ça? J'ai trouvé mon lieu de bivouac. Là, il y a des pierres, il y a du bois, il y a le coucher de soleil, et demain matin, le lever de soleil sur Nice. C'est pas beau ça? Bon bah ça y est les amis, on est installé. On a la petite tente ici. Je vais vous présenter un peu ce que j'ai. Mon petit setup camping, le campement. Là, on a un petit Zipax Arc Zip. Voilà, la Helinox 0. Petit confort, mais pas très lourd. 500 grammes, 480 grammes. Et là, c'est la Tarptente Stratospire, comme je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Hop. Voilà. Sac de couchage Zipax, c'est un 10F, il me semble. Voilà, matelas Nemo, insulated regular. Voilà, bon, l'espace il est cool. Allez hop, je sors, je ferme, sinon les bêtes elles vont rentrer. Voilà, donc j'ai ouvert les petites absides là, ici là, pour l'aération, parce qu'il fait chaud. Il fait déjà chaud, ouais, franchement. Il fait déjà très chaud. J'ai rajouté ces haubans ici là, pour qu'elles soient bien tendues dans l'axe, ici. J'aime pas quand c'est pas tendu. Voilà. Donc là, elle est bien tendue. Je peux ouvrir les deux absides si je veux, pour que ça soit vraiment vraiment bien ouvert et bien aéré. Je pense que ce soir c'est ce qu'on va faire, parce qu'il va sûrement faire chaud. Voilà, donc je vais me faire un petit feu de camp, un petit tout petit, juste pour faire cuire deux merguez. Il y a des pierres, je vais me protéger bien comme il faut. Je vais pas être trop près de ma tente, on sait jamais. Ça y est, c'est l'heure du coucher de soleil. Petit feu de camp. Donc là-bas, je crois qu'on a le Cap d'Antibes, si je me trompe pas. Là, c'est Cannes, Mandelieu. Là-bas, Nice.
On est bien. Bon ben voilà, hein. On est bien là. Regardez-moi ce coucher de soleil et regardez-moi ce petit repas qui m'attend. Il n'y a pas mieux comme panorama, il n'y a pas mieux comme tranquillité. Tranquille. Allez, bisous. Bon, j'ai mis la doudoune là parce qu'il commence à faire froid un peu. Je vais mettre le thermomètre, mais à mon avis, il doit faire dans les 10 là. Ouais, 10. Donc ça va encore. Ouais, il y a le thé qui chauffe. Je me suis posé à côté de ma tente. Demain, j'enlèverai les braises et le feu. Voilà, on a bien mangé les merguez. C'était bon. Petit thé qui chauffe. Je viens d'entendre bramer un cerf. Il y a 10 minutes. Il était juste derrière les arbres là. Juste derrière. Le temps que je marche, il s'est barré. J'ai pas marché doucement aussi. Hein. Donc là, ça commence à s'illuminer en bas. C'est joli. Ça commence à être joli. Salut tout le monde. Bon, il est 5h30. Voilà le petit lever de soleil qui va pas tarder. J'ai trop bien dormi, je ne suis pas réveillé une seule fois. Pas eu froid, pas eu chaud, parfait. Il a fait 10 degrés toute la nuit. Et dans la tente, il faisait 13. Donc bon, ça va, c'est pas. Bon ben rebonjour, hein. Je me suis rendormi. Et le soleil là, il est haut déjà. Ouais, j'étais tellement bien que je me suis endormi. Je vais ranger le camp. Mais je vais pas tarder à y aller, hein, pour un petit café qui est prêt là. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, le camp est rangé. Bon, voilà, j'ai essayé d'abîmer le moins possible. Et surtout le feu. Bon, je laisse le bois au cas où quelqu'un passerait par là, mais surtout de bien nettoyer et tout remettre à sa place. On regarde bien si on n'a pas oublié un bout de papier ou un bout de plastique. Et c'est parti, hein. Allez, on s'en va. Je peux vous dire que quand vous vous levez, que vous marchez dans un endroit comme ça, au calme, ça fait un bien. Là, vous êtes requinqué pour la semaine. Ah, je suis pas pressé de rentrer là. Bon, petit tour d'horizon. Donc là, vous avez le plateau de Calerne, comme je vous ai dit hier. Et au-dessus, c'est la cime du Chiron. Le Chiron, c'est à Gréolières. C'est la station, hein, tout simplement. Voilà. Vous prenez la station, vous montez là-haut. Vous avez plusieurs appellations de sommet. Et là, c'est le sommet de Calerne. Voilà. Un vrai dommage, on voit pas toutes les montagnes derrière, mais sinon, si c'est bien dégagé, on voit beaucoup de. On voit très loin. C'est joli avec les fleurs. Oh là là. Bon bah ça y est, hein, je suis presque arrivé à la voiture. Bon bah ça fait du bien. Petit bivouac après confinement. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Bon, il n'y a pas d'image folle non plus, mais bon, je voulais vous faire partager mon petit décrassage après ces 3 mois de pause forcée. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu, hein, même si voilà. Bon, allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.